Salutations, chers rassemblés. C'est un privilège de vous avoir parmi nous et nous profitons aussi de saluer nos amis internautes. Que ce service d'adoration vous touche et que ça soit une source pour votre avancement spirituel. Pendant que vous y êtes, n'oubliez surtout pas de partager et de liker ce service d'adoration pour la gloire de notre Dieu. Bon culte. Chers bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. Nous sommes contents de vous rencontrer ce matin. Prenez le temps de saluer chacune des personnes autour de vous et souhaite-lui un joyeux Noël. Je vous demande de vous mettre debout afin que je puisse vous lire la lecture de ce matin qui se trouve dans le Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point. » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, il repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Tu l'entends.
Jésus est la bonne nouvelle, le chemin et la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos enfants encore une fois? Alléluia. J'invite l'assemblée à se mettre debout afin de chanter et de célébrer en ce jour. Alléluia. Tapons les mains ensemble. Joie, joie.
Seigneur encore. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Ah.
applaudissons le Seigneur. Nous sommes vraiment très, très privilégiés de vivre ensemble ce dimanche spécial, ce dimanche où l'accent est sur cette réjouissance quant à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a quelques 2000 ans de cela, il fit irruption dans notre monde et il veut pouvoir être présent dans votre existence. Prenez le temps de saluer la personne qui est à côté de vous et puis vous pouvez lui dire joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël et un joyeux temps des fêtes, un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Donc l'Église est très très heureuse, très très heureuse. Très heureuse de souligner votre présence ce matin. Amen, amen, amen. Nous sommes. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces bons moments. Et vendredi dernier fut un temps agréable, très agréable, où l'Église était ensemble dans cette belle dimension de communion fraternelle. Donc on dit merci à toutes les organisatrices, les organisateurs, à tous ceux, toutes celles qui ont pu contribuer au succès de cet événement important. Et ce dimanche, c'est un dimanche où l'accent est plus sur la participation. Donc on a été très très heureux de voir nos enfants. Oui, est-ce qu'on peut les applaudir, hein? Les applaudir, les enfants. Nos jeunes, tout le monde, l'accent moins sur la performance, moins sur les capacités techniques, mais plus sur cette joie de voir tous les membres du corps offrir à notre Seigneur, offrir à notre Dieu et à son assemblée donc à ce temps d'offrande, de grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il y a des amis qui assistent à ce culte pour une toute première fois, on est très très heureux de souligner votre passage parmi nous, votre présence parmi nous. On va vous demander une petite faveur, si le cœur vous en dit, ne serait-ce que pour quelques secondes, si vous pouvez juste vous mettre debout, les amis qui assistent à ce culte pour une toute première fois. Merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir nos amis? Merci, on est très très heureux de votre présence. Yes, yes, yes. Yes, d'accord. Très, très heureux de votre présence. Merci. Merci. Donc, soyez richement bénis et un bon temps des fêtes à vous et à votre en famille. On vous invite à prêter attention aux annonces importantes, aux annonces très, très importantes quant à ce qui arrive pour la fin de cette année. Le dimanche 31, c'est le dernier dimanche de l'année où nous allons être ensemble en matin et en soirée aussi pour vivre quelque chose de très, très fort à la gloire de notre Dieu. Donc, dimanche soir, on va être là à partir de 9h, c'est-à-dire 21h, et pour traverser l'année, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on soit au rendez-vous pour vivre en ce moment important. Et pour les autres annonces, donc on vous invite à prêter attention à ce qui va être affiché sur les écrans. D'accord? Que le Seigneur soit avec vous. Un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Merci. C'est déjà le moment d'honorer le Seigneur par vos dîmes et offrandes. Vous savez, chère assemblée, Dieu y prend plaisir à nous voir donner avec joie et constance. Il est important d'honorer le Seigneur par ta prière, par ton adoration, par tes louanges, mais aussi par tes contributions en dîmes et offrandes. La parole du Seigneur dit dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. S'occuper des affaires de mon Père, s'occuper des affaires de notre Père,
En contribuant en donnant la dîme et offrande, c'est aussi une belle façon de manifester de la reconnaissance, de la gratitude et de l'amour envers notre Seigneur. Voici les trois différentes façons de donner. Premièrement, par transfert Interac à comsmyrne@gmail.com. La question, quelle famille? La réponse, Smyrne. La deuxième façon, ce serait par PayPal à paypal.me/Église Smyrne. La troisième façon, c'est par chèque. À l'attention de l'Église de Smyrne et vous pouvez déposer le tout dans un panier lors des périodes d'offrande. Alors, chers bien-aimés, que la main puissante et généreuse du Saint-Esprit vous couvre de bénédictions constantes. Thank you.
Amen, amen, amen. Alam remeni moi, adoré, que je l'aime, que je l'adore. Et je découvre en Dieu, en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez applaudir notre Dieu encore une fois? Oui, Seigneur, merci pour cette joie, ce privilège de te découvrir, toi, Père Saint, de te découvrir en ton Fils, en Jésus-Christ. Et merci pour ton œuvre dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui s'ouvrent à toi. Parle-nous comme toi seul sais le faire. Rejoins-nous selon l'efficacité qui est de ton seul apanage. Nous comptons sur toi. Et merci encore. En Jésus-Christ. Amen. Noël est appelé à de différents noms et il y a différents accents qui entourent à cette fête de Noël. Entre autres, on aime souligner toute la dimension de la lumière. Donc Noël qui est une fête qui souligne la lumière. C'est le moment de l'année où les maisons, les édifices, les arbres, les rues sont les plus illuminés. Il est difficile de ne pas être frappé par l'omniprésence de la lumière en ces jours. Donc nous vous invitons à réfléchir sur celui qui devrait être au centre de la célébration de Noël. Celui dont on dit qu'on célèbre la naissance, Jésus, l'enfant de lumière. Donc Jésus, l'enfant de lumière. Donc nous ne croyons pas que Jésus serait né le 25 décembre. Rappelons que les auteurs du Nouveau Testament et l'Église des trois premiers siècles accordaient peu d'importance à la date de la naissance de Jésus. Non pas la date de sa naissance, ce qui importe et ce qui est crucial pour la foi chrétienne et pour l'humain, c'est le fait de sa naissance, son incarnation, c'est ce qui est clé. Savez-vous, des gens qui vont à des anniversaires de naissance et qui ne connaissent même pas la personne. Cela ne vous est jamais arrivé et puis on croise le fêté, mais on ne sait même pas qui il est. On ne sait même pas qui il est. C'est comme, c'est la même évidence là. Beaucoup de gens fêtent Noël, mais ils ne savent même pas qui est Jésus. Qui est-il? Est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous savez à qui il est? L'évangéliste Matthieu consacre deux chapitres de son écrit à la venue au monde de Jésus. En Matthieu chapitre 1, verset 18, il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. » Matthieu met le doigt sur ce qui compte. Au-delà de toute cette ambiance festive, au-delà de toutes ces agitations, de tous ces déplacements,
sommes-nous clairs sur ce qui importe vraiment, sur ce qui importe vraiment? Donc, Matthieu met le doigt sur trois éléments importants que nous devions considérer. C'est l'origine de l'enfant, la mission de l'enfant et la nature de cet enfant. Lorsqu'il va dire, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et sachez très bien que ces gens étaient des gens bien lucides, qui savaient très bien que ce qu'ils allaient rapporter, ça sort tellement de l'ordinaire qu'on allait douter de le récit de leur proclamation. Mais puisque c'était ce qui s'était bien produit, donc ils prirent leur courage à deux mains et nous ont laissé à ce que nous lisons. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secrètement avec elle. Parce que quand Marie a dit à Joseph, écoute, l'enfant qui est dans mon ventre vient du Saint-Esprit. Joseph dit, Marie, sois sérieux, Marie. Qu'est-ce que tu me racontes là? Que l'enfant vient du Saint-Esprit. C'est comme ta fiancée vient te dire que je suis enceinte, mes chéris, je suis enceinte de Dieu. Voyez-vous quelle énormité? Alors, c'est pour cela que Joseph va dire à Marie, merci, mais non, mère. Non, merci. Donc, tu peux garder cet enfant qui vient de Dieu. Garde-le avec toi. Le texte dit clairement, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secrètement avec elle. Donc nous comprenons que beaucoup de bien-pensants, beaucoup de gens rationnels remettent en question le fait qu'on présente Jésus comme ayant pris naissance par le Saint-Esprit. Quoi de nouveau? Donc les critiques de l'Évangile ne sont pas les premiers à avoir remis cela en question. Donc, le premier qui l'a fait, c'était celui qui était au cœur de la chose même, c'est Joseph. Donc, c'est pour cela que quand des gens me disent, mais comment pouvez-vous croire à de telles énormités? Je leur réponds, mais c'est le premier qui avait la même réaction que vous, c'était Joseph. Parce que l'origine de cet enfant est assez énigmatique. En Matthieu 1er, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Entendons-nous bien, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose qu'il te serait permis de conclure que cette chose n'existe pas. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, mais pour autant, on ne peut pas disqualifier quelque chose en l'écartant parce que nous ne le comprenons pas. Alors, Joseph va avoir cette vision-là. L'ange va lui dire, Joseph, je ne te bouscule pas. C'est pour cela, les gens qui sont non-croyants, il ne faut pas entrer en chicane avec les gens, être énervé. Les gens, ils sont pour pas mal d'entre eux, mais ils sont des bien-pensants. Ils réfléchissent la chose et ils vous disent, cela ne fait pas de sens. Cela ne fait pas de sens. Et c'était, Joseph disait à Marie, ton histoire ne fait pas de sens. Et même Marie en lui-même vivait cela difficilement. Donc, mais pour autant,
C'est ça l'origine de l'enfant. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Garde-la comme ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Une révélation spéciale. Disons-le, une révélation spéciale. Il y a des choses, vous n'allez pas pouvoir les comprendre si vous n'êtes pas au bénéfice d'une lumière spéciale. Êtes-vous là, hein? D'une lumière spéciale. Si vous restez seulement dans votre petit cercle de compréhension, de ce que vous avez toujours su, de ce que vous avez toujours... Je n'oublierai jamais cela. Je ne sais pas comment. Quand même, j'étais dans un cours de mathématiques à l'université, c'est-à-dire des siècles de cela. Okay, et puis, je ne comprends pas qu'un étudiant en mathématiques n'ait pas été au courant du corps qu'on appelle le corps des complexes, les nombres complexes. Okay? Le professeur a mis sur le tableau x carré égale moins 1. Mais l'étudiant dit, mais ça ne fait pas de sens. C'est illogique. C'est vrai, x carré égale moins 1 ne fait pas de sens sur le corps des réels. Bon, combien de monde qui sont des mathématiques secondaires là? Oui, qui se souviennent de leurs mathématiques okay? secondaires. Okay. Donc, un x carré égale moins 1 ne fait pas de sens sur le corps des réels. Mais hein, vous ne pouvez pas comprendre plusieurs phénomènes de la nature, l'électricité, entre autres choses, si vous ne transcendez pas le corps des réels pour aller sur le corps des complexes. Alors que x carré égale moins 1 fait sens, mais sur un corps plus large, sur un corps plus grand. Donc, quand vous restez... Alors, l'étudiant était assez arrogant. Puis moi, je disais, mais comment tu as pu faire ton cégep et puis tu arrives à l'université et puis tu n'es pas au courant des nombres complexes? Comment? OK? Donc, hein, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose. J'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est à côté de toi, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas vrai. C'est parce que je ne comprends pas que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Donc ce matin, j'aimerais vous le dire, autour de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Hein, mais cela n'enlève rien à la véracité de l'événement. Et c'est ce que l'ange va dire à Joseph, tu as besoin d'une lumière spéciale, car cet enfant... L'enfant qu'elle a conçu n'est pas banal. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc l'origine de l'enfant, il vient de Dieu. Et Dieu n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ne croient pas, ça ébranle Dieu. Tu crois, Dieu est Dieu. Tu ne crois pas, Dieu reste Dieu. Avant que tu aies pris naissance dans le monde, Dieu était Dieu. Tu vas mourir, Dieu restera Dieu. Ça ne change rien en Dieu. Ça ne change rien en Dieu. Mais pour autant, cela peut faire toute une différence dans ta vie. C'est pour ça que j'aime lorsque Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'aller à l'église, je ne parle pas de gens qui sont fanatiques, je ne parle pas de gens qui vivent une foi sentimentaliste. Je ne parle même pas de sentimentaliste. Je parle que quand vous êtes au bénéfice de cette révélation extraordinaire, quand vous êtes au bénéfice de cette lumière extraordinaire, vous êtes choyé. Et c'est ce que l'ange va dire à Joseph. C'est un privilège pour toi. Là où tu vois une énormité, au contraire, il y a une grâce extraordinaire. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne cours pas le risque de passer à côté. Et l'ange va continuer. Il va lui dire, elle enfantera un fils, Joseph. Le verset 21. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Waouh! Avec autorité. Là, je ne passe pas beaucoup de temps à expliquer toutes les preuves. Là, je dis, Dieu n'est pas dans cette banalité. Quand tu as besoin de justifier, de te justifier, tu es en position de faiblesse. Dieu ne se justifie pas aux humains.
Tu n'as pas. Dans le psaume 2, il est dit, Dieu dans le ciel, il rit. Il dit. Alors, c'est un rire de moquerie. Il dit, comment que des humains que j'ai créés peuvent croire que je vais devoir me rabaisser à leur niveau pour leur prouver ce que j'ai à dire. C'est pour cela que si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne cherche jamais à prouver l'existence de Dieu. L'existence de Dieu ne se prouve pas. Dieu n'a rien à prouver à personne. Dieu n'a pas à te prouver qu'il existe. Il n'a pas à te prouver qu'il existe. Comme le soleil n'a pas à te prouver qu'il existe. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ce qui importe, l'origine de l'enfant, il vient de Dieu. La mission de l'enfant, il sauve pour Dieu. Disons ensemble, il sauve pour Dieu. Joseph, il ne vient pas seulement de Dieu. Mais si tu daignes t'ouvrir à lui, le résultat dans ta vie sera extraordinaire. Alléluia. Et il continue. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, la nature de l'enfant, au verset 23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom. Alléluia. J'aimerais que vous lisiez cela avec nous, s'il vous plaît. Comme pas mal de gens qui vont à cette fête d'anniversaire, vous croisez le fêté, vous ne savez même pas que c'est lui. Et vous ne savez même pas qui il est. Lisons encore. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, gloire à Dieu, ce qui signifie, c'est une vérité qui peut faire toute une différence dans ta qualité de vie. Quand tu comprends ce que cela veut dire, Dieu avec nous. Tu ne vis plus tes problèmes de la même façon. Quand tu comprends ce que cela veut dire, Dieu avec nous. Il est la Shekinah incarnée de Dieu. En Jésus, de nouveau, Dieu marche au milieu de son peuple. Shekinah vient de l'hébreu sakan, qui signifie habiter, demeurer. Et dans l'Ancien Testament, la Shekinah réfère à l'habitation de Dieu dans le lieu très saint. C'est la présence en gloire de Dieu au milieu de son peuple. Dieu avec nous. Disons-le encore. Dieu avec nous. Ou pas camper même gens. Vous ne vous tenez pas de la même façon. Devant problème. Devant vos problèmes. Lorsque vous avez bon Dieu avant. Quand vous savez que Dieu est avec vous. Je ne pas dire que vous êtes un petit jeune qui marche à l'église, non? Je ne dis pas si vous êtes un jeune qui marche à l'église. Mais donc, vous avez vivre expérience profonde de ça, bon Dieu y est. Expérience profonde de ce que Dieu est. Lorsque vous êtes au bénéfice de cette vérité extraordinaire, Dieu avec nous. Jésus, il faut le comprendre pour ce qu'il est, selon son origine, selon sa mission, selon sa nature. Jean
dans son récit de la venue au monde de Jésus, accentue aussi cette dimension de la présence de Dieu parmi son peuple. Et il y a plusieurs vérités à retenir pour ce matin, mais l'une des plus grandes vérités, c'est disons-le, Dieu avec nous. Disons encore, Dieu avec nous. Ça change tout. Ça change tout. Il y a certains joueurs dans une équipe. Si le joueur n'est pas en uniforme, il y a sauté. Les gens ont peur. Si le joueur est je me souviens que, et le joueur n'a même pas besoin d'être le meilleur des joueurs, mais il joue un rôle tellement clé. On doit tout faire pour qu'il soit présent. Parce que sa présence fait une différence. Pour nous comprendre, Zanaboula. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu avec nous? Wow. Et en Jean 1er, verset 14, et tous les évangélistes, ils ne vont pas passer à côté de la nature de Jésus. Plus précisément, Matthieu, Luc et Jean commencent dès sa naissance, même avant sa naissance, en Jean 1er 14, il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Vous va-t-on lire avec moi? Vous n'aimeriez pas lire avec moi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ce Fils unique venu du Père, en Jean 1er, verset 5, et j'aimerais, lorsqu'on va vous demander, c'est qui ce Jésus ? Qui est fêté à chaque année. Cette parole-là, ben, on l'appelle la lumière. Ce Fils unique venu du Père est identifié à la lumière, cette lumière qui luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, je reviens à cette rubrique de ce qui importe, de ce qui importe. L'origine de l'enfant, disons-le ensemble, l'origine de l'enfant, ce qui importe, est-ce qu'on peut, merci. Il vient de Dieu. Deuxièmement, la mission de l'enfant, il sauve pour Dieu. La nature de l'enfant, il est Dieu. Premièrement, Dieu avec nous, quand tu t'ouvres à lui. Deuxièmement, lumière du monde. Nous disons un, Dieu avec nous. Et deuxièmement, lumière du monde. Jusqu'à présent, là, si vous ne voulez pas passer à côté de ce qui est central par rapport à Jésus-Christ, dont on fête la naissance, eh bien, c'est son origine, c'est sa mission. C'est sa nature. Disons-le ensemble, son origine, sa mission, sa nature. Mais j'aimerais, pour les quelques minutes qui me restent, élaborer davantage sur « Il est lumière du monde ». Il est quoi ? Lumière du monde. Lumière.
cette lumière qui luit dans les ténèbres. Lumière. C'est une lumière qui a été annoncée. Annoncée quelques 800 ans avant même la venue de Jésus. Et grâce à lui, grâce à sa venue, il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Avec sa venue vient aussi l'espérance. Il ne vient pas nous tranquilliser avec de belles paroles. Mais il vient pour dissiper les ténèbres du désespoir. Là où le Christ est, là où Dieu est, là où l'on fait de la place à Dieu, à Jésus-Christ, lumière du monde, eh bien, les ténèbres du désespoir sont dissipées. Les ténèbres de la peur sont écartées. Et les ténèbres du péché sont vaincues. Au coin de cette douleur-là, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Et pour vous qui êtes sérieux dans votre foi, je ne parle pas de gens qui vont à l'église, mais vous qui êtes sérieux dans votre relation avec Dieu, certaines fois vous ne voyez ni en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche, mais malgré cela, vous ne perdez pas espoir, parce qu'il y a quelque chose que Dieu dépose en toi, qui te dit, peu importe les temps et les circonstances, Dieu n'abandonne jamais ceux qui investissent confiance en lui. Amen. Cette lumière de Dieu en toi, je dis, tu n'as pas besoin de mettre fin à tes jours. Tu n'as pas besoin de te laisser aller dans l'alcool, dans la drogue et te détruire encore plus. C'est vrai que le mari n'est plus. C'est vrai que la femme n'est plus. C'est vrai que les enfants ne t'accordent plus cette priorité-là. C'est vrai que ta santé devient plus que chancelante. Il y a beaucoup de ténèbres autour de toi. Beaucoup de ténèbres en toi, mais Christ dit en vérité, je vous le dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en gros causé, oui. C'est gros causé, oui. C'est puissant. Nous ne pouvons avoir honte de l'évangile. L'évangile est efficace. Alléluia. L'évangile est efficace. Vous pouvez avoir des pasteurs racketteurs, des leaders d'église qui exploitent des gens. De ces méchants-là qui extorquent le peuple de Dieu. Mais il ne faut pas confondre ce que des églises font avec ce que le Christ est. Il ne faut pas confondre ce que des médecins charlatans font avec ce que la médecine est. Sauf cela, quand des gens me racontent des histoires, oui, à cause des pasteurs, à cause de ceci, de cela, je ne vais plus à l'église. Mais ta réflexion, ton argumentaire est faible. Alors, à cause de ce qu'ont fait plusieurs médecins charlatans, tu n'iras plus à l'hôpital. Quand même, viens avec quelque chose qui soit plus solide. Tu feras preuve de discernement. Ce que des magouilleurs font ne valide pas le bien fondé de cette lumière. Alléluia.
Et quand nous sommes au bénéfice de cette lumière, les ténèbres sont dissipées. Alléluia, disons-le. Quand nous sommes au bénéfice de cette lumière, les ténèbres sont dissipées. Nous avons ce qu'il faut pour faire face aux épreuves et aux difficultés de la vie. C'est gros causé. Je me souviens d'un jeune homme qui me racontait comment certains jeunes dans son entourage qui pensaient au suicide parce que ça ne va pas, ça ne marche pas. Et puis, il me disait, mais ce que j'avais pour partager avec eux, c'était l'efficacité de la lumière de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu faisait comme différence dans ma vie. Et il me dit, des jeunes qui sont de la même université que moi, mais qui n'ont pas de boussole, qui sont perdus. Mais cette lumière-là dissipe les ténèbres. Disons-le, cette lumière dissipe les ténèbres du désespoir, de la peur et du péché. Si tout est noir autour de vous et en vous, nous avons une bonne nouvelle en Jésus. Ça veut quoi? Une bonne nouvelle en Jésus. Et plus tôt que vous connaissez ce Jésus, mieux c'est pour toi. Amen. Mieux c'est pour toi. C'est une lumière, comme je l'ai dit, annoncée. Ce n'est pas, Jésus n'est pas venu au monde comme un cheveu sur la soupe. Ce n'est pas un accident, là. C'était préparé. Depuis plus de 8 siècles, avant le début de notre ère, Dieu, observant les douleurs et détresses de son peuple, lui fait savoir que de bonnes choses arrivent. Dans mon dimon bokoto là, de bonnes choses. Dis ça à la personne à côté de vous, de bonnes choses arrivent. Ou quoi ça? Est-ce que vous le croyez? De bonnes choses arrivent. Ce n'est pas une chimère. En Ésaïe 9, versets 1 à 6, ou selon certaines versions, Ésaïe 8, verset 23 à Ésaïe 9, verset 5, parce que la versification diffère selon... les éditions. L'auteur dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. J'aime beaucoup ce texte-là. Dans ma version, Louis II, ça commence avec le verset 23 en Ésaïe 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles pour lire avec moi? On nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant. Est-ce que vous pouvez faire confiance au Seigneur? Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. La bonne nouvelle, c'est quoi le sens du mot évangile? Du grec evangelion, qui signifie quoi? La bonne nouvelle, c'est que ces circonstances dans lesquelles tu te trouves, ces difficultés et ces ténèbres qui y émanent, le texte dit quoi? Mais les ténèbres ne... Il y a maintenant des angoisses. Lorsque les gens pensaient que j'étais condamné à n'expérimenter autre chose que désespoir et plus fort, désespérance. Parce que la désespérance est encore plus forte que le désespoir. Le Saint-Esprit me dit,
mon homme, les ténèbres ne règneront pas. Alléluia. Les ténèbres ne règneront pas. Vous les voyez passer. Un moment arrivera où vous réussirez. Il frayera un chemin devant toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour ceux qui étaient avec nous dans cette série sur la christologie, entrant cette tension entre le règne à venir et le règne absolu, où le Christ progressivement installe son règne et son roi et son royaume. Il nous dit très clairement, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, ça m'a vivre là, bon Dieu dit, il bagaille pas prêté comme ça, mon Dieu, ça. Bagaille pas prêté comme ça. Bagaille pas prêté comme ça. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, ça fait même pour Haïti, nous faisons bon Dieu c'est confiance. Même pour Haïti, nous faisons confiance à Dieu. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et quand cette lumière resplendit, les bénéfices sont concrets. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Comprenez-vous ce que ça veut dire quand Dieu est avec nous? Les bénéfices sont réels. Les bénéfices sont concrets. Et je vous ai partagé plusieurs fois cette histoire vraie. Je me souviens de cette jeune Française puis, qui a discuté avec moi sur la foi. C'est une belle période quand vous êtes au collège ou à l'université. Donc vous rencontrez toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. Puis je me souviens d'elle qui me disait, mais Caillou, je vais écrabrouiller ta petite foi. Oh, ma très chère. Tu vas écrabrouiller ma petite foi. Okay. Allons prendre un café ensemble. Prenons rendez-vous ensemble. Seigneur Jésus. Tu sais, si tu arrives à me convaincre qu'il. Parce que moi, j'aime gagner. Je dis, j'aime gagner, là, c'est ça. Parce que j'aime ce qui joue à mon avantage. C'est humain. Et si tu arrives à me prouver que ça fait plus de sens d'être athée, demain, j'abandonne tout et je commence à faire la promotion de l'athéisme. Mais après quelques minutes de discussion, et puis cette jeune fille m'a dit, mais Caillou, tu me troubles. Non, ce n'est pas moi qui te trouble, jeune femme. La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle n'a même pas besoin d'être défendue. C'est comme le lion en cage. Le lion n'a pas besoin d'être défendu par un enfant. Vous ouvrez la cage et puis le lion prend soin de lui-même. Êtes-vous là? Jésus-Christ n'a pas besoin d'être défendu.
John Lennon, dans son arrogance, prédisait qu'il allait être plus populaire que le Christ d'ici quelques années. Côté John Lennon. Où est John Lennon maintenant? Voltaire croyait que le christianisme allait disparaître. Et l'une des maisons où Voltaire habitait est devenue une maison d'édition pour des livres bibliques. Ironie. À chaque fois qu'on pense qu'on en finit avec le christianisme, c'est comme cet officier romain avant de mourir à qui à pointe son épée vers le ciel et puis dit « Tu as gagné, Galiléen !» Mais le Galiléen gagne toujours. Et ça marche. Moi, regardez-moi, je dis ça, ça marche. Vous pouvez regarder la personne à côté de vous, vous dites « ça marche ». Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, où est bâton ça dans le dos, matin, midi, soir? Vous voyez ce bâton qui frappe votre dos matin, midi et soir? La verge qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de matière. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Pourquoi? Car un enfant nous aime. Ah, ou pas trouver côté samedi d'avenir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de. Alléluia! Lorsqu'on le regardera, on dira un enfant, un fils nous est. Et là, domine. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Car la domination reposera sur son épaule. Et pour ceux qui prennent le temps de bien l'observer, ils diront, mais il est admis. Vous connaissez cette grande œuvre, La Joconde? Combien de monde qui connaît La Joconde? Combien de vous connaissez La Joconde? Levez-moi bien fort, vous connaissez La Joconde. Une question peut-être un peu plus difficile. C'est qui le peintre? Léonard da Vinci. Oui? Vous connaissez c'est quoi La Joconde? Oui, cette belle œuvre-là d'une belle tête de femme. C'est ça? Mona Lisa, hein? Hein? D'un côté, elle sourit, et de l'autre côté, on a l'impression qu'elle ne sourit pas. C'est une œuvre qui vaut des dizaines de millions de dollars. Prenez cette œuvre. Allez voir quelqu'un qui ne connaît rien en art, et puis dit, lui, je suis mal pris. Admettons que c'est authentique, ok, l'œuvre, c'est à vous. Dites, je suis mal pris, est-ce que tu peux me donner 3000 dollars pour la Joconde? Si la personne sait, c'est quoi? Je suis prêt à te donner 30000 dollars. Mais pour un ignorant, t'es malade, t'es fou. Je te donnerai même pas 30 dollars pour ce fichu tableau. Êtes-vous là? Très souvent dans notre ignorance et surtout dans notre arrogance. Savez-vous ce qui est pire? C'est un ignorant arrogant.
Vous n'avez jamais eu affaire avec des ignorants arrogants? Un ignorant humble, ok, on peut faire autre chose, mais c'est un ignorant arrogant. On sait, je me souviens, j'avais affaire avec un comité. Les gens arrogants, mais ignorants. Puis vous regardez, puis vous restez tête baissée. Dans ton ignorance, tu peux passer à quoi? À côté de quelque chose d'extraordinaire. Mais le texte dit pour ceux qui sont au bénéfice de la lumière de Dieu. Lorsqu'ils regardent cet enfant, ce cadeau, comment qu'on l'appellera? On l'appellera? Disons-le, on l'appellera comment? Conseil? Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. J'ai besoin de tes conseils. On l'appellera comment? Dieu puis? Dieu puissant. Parce que plus qu'on prend le temps de l'observer, plus qu'on se rencontre qu'il y a en ce petit enfant, en ce Jésus, il y a quelque chose de non banal. Comment expliquer? Un noble charpentier de la Palestine. Il n'a jamais été chef de guerre. On peut comprendre pourquoi certaines grandes puissances avancent. Parce qu'ils ont eu à leur tête de grands guerriers. Mais lui, il n'a jamais été chef de guerre. Il n'a jamais été médecin. Il n'a jamais été législateur. Comment expliquer que quelqu'un qui vient de l'obscure Palestine du 1er siècle a pu influencer autant le monde entier. Et en quelques 3 siècles, le christianisme est devenu la religion de l'Empire. Comment expliquer cela? Comment? Alors qu'on tuait les chrétiens, qu'on les mettait à mort dans les stades, plus que leur sang coulait, plus ils se multipliaient. Comment expliquer cela? Et quelqu'un disait, si la mort de Socrate, buvant la ciguë au milieu de ses amis, est celle de philosophe, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est celle de Dieu. Alléluia. On l'appellera Dieu puis Dieu puissant, Père éternel. Et quel que soit le trouble que vous gagnez, quel que soit le trouble que vous avez, il a le secret de ta paix. On l'appelle comment? Prince de la paix. Parce que tout est entre ses mains. Il contrôle tout. Il dirige tout. Et je n'ai pas intérêt à ne pas être de son côté. Êtes-vous là? En pile d'hommes, nous regrettons. Beaucoup d'entre vous, vous allez le regretter. Quel gros saisissement. Vous allez être vraiment étonné. Le choc nerveux que vous allez expérimenter là, quand vous allez voir Jésus face à face, parce que vous allez le voir face à face. Faut mourir. Vous devez mourir. Ou même si vous aimez la vie, vous aimez mourir. Que vous aimiez la vie comme quoi que ce soit, vous allez mourir. Nous allons mourir. Hier, je faisais cette blague avec ma femme et puis elle m'a présenté une belle petite photo d'une madame qui est décédée. Et puis je dis, oh, cette madame, je dis, oh, Haïti donne de belles femmes. Hein? Wow, belle photo. Et puis je dis, c'est ainsi que toi, quand tu vas mourir, on va mettre une belle photo pour toi. Et puis elle me dit, quoi? Tu commences à faire espoir avec moi. Je dis, mais chérie, nous allons mourir. Oui ou non?
dit, je vois ton beau visage là, là. Cherche les plus belles photos. On prend ta meilleure photo. Tu rencontreras Jésus face à face. Tu crois? Tu ne crois pas? Tout œil le verra. Disons encore, tu crois? Tu ne crois pas? Tout œil le verra. Alors mieux vaut que tu le rencontres comme ton prince de la paix dès maintenant. Amen. Que tu ne le rencontres pas comme juge. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, peut-être. En Matthieu 4, verset 13 à 16, parce que Ésaïe 9, 1 à 6, ou Ésaïe 8, 23 à 9 à 5, c'est un texte clé de l'Ancien Testament pour les auteurs du Nouveau Testament dans leur identification du Christ comme le Messie promis. Et l'évangéliste Matthieu voit dans l'apparition de Jésus en Galilée, en Matthieu 4, les versets 15 à 16, l'accomplissement d'Ésaïe 9, 1 à 6. Peut-être que je vais lire cela et puis un ou deux petits commentaires et je terminerai, si Dieu nous prête vie, l'année prochaine, on poursuivra, prochain Noël. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Matthieu 4, 13 à 16, où il est dit, Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Alors, assez intéressant, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon. Vous vous souvenez du territoire de Zabulon et de Nephtali? Le texte dit, il quitta Nazareth. Parce que la prophétie disait qu'il fallait, c'est le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, quelques 800 ans plus tard. Afin que s'accomplit ce qui avait été dit par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande... Donc, c'est-à-dire quand Jésus mit les pieds dans ce territoire, donc Matthieu dit, eh bien, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et Matthieu 4, 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la présence de Jésus coïncide avec la venue de la lumière, dit Matthieu. Et Luc abonde dans la même direction. Devant la naissance de l'enfant de Marie, en Luc 1er, versets 78 et 79, en qui il voit le soleil levant, qui a visité le peuple d'en haut, Luc 1er, 78 et 79. Et écoutez bien à ce qu'il nous dit. Waouh! Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités
d'en haut. Là, on parle de la naissance de Jésus-Christ pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Et en Luc 1er, verset 32, il n'y a aucune équivoque. Il sera grand. À partir du verset 31, pourquoi pas? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et si nous revenons à l'oracle d'Ésaïe, qui est structuré, parce que le texte a plusieurs niveaux d'application. Et une prophétie a plusieurs moments d'accomplissement. Ce qui est clair pour des auteurs du Nouveau Testament, ce texte d'Ésaïe visait Jésus, celui qui apporte la délivrance, le sauveur, la lumière du monde, le roi par excellence, le successeur éternel du trône de David. Comme au temps des Assyriens, où il y avait de grandes ténèbres, Dieu entre en scène, comme au temps des Assyriens. Lorsqu'il y avait tristesse et désolation pour Israël, Dieu entre en scène pour annoncer une prophétie avec un double accomplissement. Et l'oracle est structuré pour construire un haut niveau de suspense, en commençant par l'annonce du passage dramatique des ténèbres à la lumière pour le peuple qui souffre. Et Dieu agit, le joug de domination est brisé. Les armes pour le combat sont enlevées. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Disons-le, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination. Est-ce que tu veux que Jésus domine dans ta vie? Combien de gens qui aimeraient que Jésus domine dans leur vie? Alléluia. Qu'il domine. Et je vais m'arrêter là, je vais juste conclure sans élaborer sur les autres éléments. Dieu, c'est un Dieu qui tient parole. Dis-moi une bonne chose. Dieu, c'est un Dieu qui tient parole. Quelques 800 ans, cela fut annoncé, mais Dieu tient parole. Vous négligez Dieu à votre indépend. Ça fait mal. Ça me fait mal. Vous négligez Dieu, que disons-nous, à votre indépend. Dieu tient vraiment parole. C'est un Dieu qui tient parole. La lumière est annoncée, mais Dieu a tenu parole. La prophétie s'est accomplie. Un Dieu qui tient parole. Un, le temps ne peut l'empêcher d'accomplir sa prophétie. Peut-être que vous attendez, ça fait depuis longtemps que vous attendez. Mais j'aimerais vous le dire que le temps ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa prophétie. Près de 800 ans plus tard, l'enfant qui devait naître a pris naissance. Deuxièmement, les circonstances ne peuvent être une barrière au plan de Dieu. Disons-le, les circonstances ne peuvent être une barrière au plan de Dieu. Mon qui pas contre bon Dieu, pas comprendre ça n'a dit là. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne pourront pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui nous regardent depuis les yeux hagards. Regarde, que dit ce monsieur? Il est un peu excité, il est un peu survolté. Mais je vous comprends. C'est comme quand vous allez avoir des gens qui... C'est fou hein, de voir l'incohérence des gens qui critiquent la foi. Oh oui, c'est trop émotionnel, c'est trop. Et puis, allez assister à un match de hockey.
Il y a une banque qui m'avait offert un billet pour aller assister à un match de hockey. C'est la nouvelle religion des gens. Mais de voir les gens là qui sont dans... l'espace là. Oh. Excité, on ne peut plus. Ça chante là. J'étais à Barcelone pour un match de... ouais, Barcelone même. Il y a des gens depuis le début du match là, ils sont debout. Et puis ça chantait depuis la première seconde du match. Jusqu'à la fin. Et puis vous dites c'est nous qui sommes émotionnels. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis vous, vous êtes vite paniqué parce qu'on vous taxe d'émotionnel. Quand nous savons ce que nous avons, nous en sommes fiers. Quand nous savons ce que nous avons, nous en sommes fiers. Et j'aimerais vous le dire, vous avez de bonnes raisons d'être fiers. Parce que pas mal de gens, après 2-3 heures au stade, leurs problèmes les attendent. Au premier pas franchi pour laisser le stade, et les problèmes attendent là. Les problèmes leur attendent là. Nous n'avons pas un Dieu qui vient nous donner de belles paroles, mais c'est un Dieu qui dirige les temps et les circonstances. Les circonstances ne peuvent être une barrière. Vous allez voir, malgré les difficultés devant Marie et Joseph, ils vont s'arranger pour faire le long voyage pour que Jésus puisse prendre naissance à Bethléem. Et j'aimerais te le dire, troisièmement, les gens ne peuvent faire obstacle au dessein de Dieu. Alors qu'Hérode voulait tout faire pour que l'enfant ne naisse pas. Vous songez ça? Vous vous souvenez? Tout plan Hérode. Tous les plans d'Hérode. Il envoya ses gardes, tout cela, pour tuer Marie. Quand tu sais avec quel Dieu tu as affaire, tu n'es pas impressionné par les menaces des gens. Amen. Êtes-vous avec moi? Quand tu sais avec quel Dieu tu as affaire, quand vous êtes trop susceptible parce que vous ne savez pas quel Dieu vous avez. Que peuvent vous faire les gens? C'est un Dieu qui tient parole. Les gens ne peuvent faire obstacle au dessein de Dieu. Ce que Dieu veut que je devienne, je le deviens, je le deviendrai. Tu n'as pas besoin de détester la belle-sœur, de haïr la belle-mère, d'être en bif avec le beau-frère. Ou bien les collègues de travail qui te paraissent menaçants ou quoi que ce soit. Non, ce que Dieu veut que tu sois, quand tu collabores avec Dieu, Dieu dit « j'agirai » et qui s'y opposera. Dieu, c'est un Dieu qui tient parole et il a les moyens de ses prétentions. Les gens ne peuvent faire obstacle au dessein de Dieu. Thank you very much. Et nous disons aussi, le diable. Parce qu'il y en a, vous n'avez pas peur des gens, mais vous avez peur du diable. Mais le diable ne peut bloquer le projet. Quête. Cette lumière me dit que je suis... Alors, j'invente ce mot. En créole, moi, imbloquable. Est-ce que ça nous dit là? Quel traducteur n'a pas cherché? On ne saurait me bloquer. Moi, imbloquable. Lorsque Dieu est avec moi, moi, imbloquable.
capable. Quand Dieu est avec moi, on ne saurait me bloquer. Le temps ne saurait me bloquer. Les circonstances ne sauraient me bloquer. Les gens ne sauraient me bloquer. Le diable, alléluia, ne saurait me bloquer. Parce que c'est Dieu qui est avec. C'est pour cela que je vous dis, c'est votre heure solennelle. Et quand on comprend cela, cet auteur français ne savait pas que son chant allait avoir tout cet impact-là. C'est un Français qui a écrit Minuit Chrétien, ou bien un francophone. Savait pas. C'est l'heure solennelle où l'homme et Dieu descendit. Il y a des gens qui chantent Noël, mais qui ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ne savent pas quel changement extraordinaire Dieu peut opérer dans leur vie? Ta vie ne sera plus jamais pareille si tu t'ouvres à cet enfant de lumière. Minuit, chrétien, on aime le dire, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit. C'est pas nouveau tout le monde c'est absent que Maria Carey absente il y a des anciens qui avaient saisi le sens et l'essence. On nous dit ensemble le sens et aussi l'essence. Et si en toute humilité tu te mets à genoux devant lui. Tu te relèveras délivré. Gloire à Dieu. Adorons l'enfant.
soit que j'aime dans cette période de l'année, qu'on le veuille ou non, même les non-croyants sont exposés avec leur propre choix de chant. Moi, que vous preniez le temps alors qu'on termine ce service, est-ce que ce moment peut être votre heure solennelle? Où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père. Arrêtez le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance. Jamais tu peux tressaillir d'espérance. Joseph, dormit parce qu'en cette nuit, il t'est donné un sauveur. À genoux, attends. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. L'on comprend ça le fait. Quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi, qui lui dira notre reconnaissance? J'aimerais que vous invitez à vous mettre debout et puis on termine le chant de Rédempteur. Il voit un frère, c'est pas un père, il voit un frère, une éternité. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Combien de gens qui voudraient être un peuple debout? Et tu peux chanter ta délivrance, peu importe ce que tu traverses, tu peux chanter cet après, en ce début d'après-midi, ta délivrance. Il voit tes frères, où n'est
j'aimerais que tu retournes chez toi avec cette nette et entière conviction que le Seigneur, c'est un Dieu qui tient parole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal. Mais le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Lorsqu'il te regarde, esclave du péché, esclave des conditions difficiles, il dit, je vois un frère. Oui, Seigneur, merci pour le Dieu que tu es. Merci pour tes grâces extraordinaires. Merci pour tout ce que nous pouvons vivre en toi. Merci parce que c'est plus qu'une question de religion. Merci de nous aider à transcender les superficialités festives, les ambiances d'exaltation pour discerner le vrai message, être attentif au sens pour pouvoir bénéficier de l'essence. Merci. Et merci parce que tu es un Dieu de résultats. Tu es un Dieu de transformation. Tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu de transformation. Tu es le Créateur, c'est toi qui nous as fait. Donc tu nous connais mieux que quiconque. Donc ta solution est efficace. Nous te bénissons. Et chaque personne ici qui t'ouvre en son cœur. Chaque personne ici qui veut te découvrir, qui ne veut pas être juste dans une activité d'anniversaire alors qu'ils ne connaissent pas le fêter. Tu leur as ouvert les yeux sur l'origine de l'enfant, la mission de l'enfant, la nature de l'enfant. Dieu avec nous est enfant de lumière. Et cette lumière vient dissiper les ténèbres de notre vie. Alors on ne peut pas rester pour toujours recroquevillé dans cette misère crasseuse. Tu veux faire de nous un peuple en debout. Il y a un monde qui pensait nous pas passer. Il y a saisi où elle a passé devant nous. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Alors, nous ne pouvons que devenir un peuple debout. Alors que nous expérimentons notre délivrance, mais nous la chantons aussi. Béni sois-tu, élevé sois-tu, glorifié sois-tu. Merci, merci, merci pour cette vie extraordinaire en toi. Thank you.
Applaudissez le Seigneur. Allez dans la paix. Allez dans la paix. Le Seigneur vous bénisse. Et nos visiteurs, on vous attend dans la salle 2 pour ceux qui le veulent bien. La salle qui est juste à côté, il y a un petit moment de restauration pour vous. Allez dans la paix du Seigneur.